pareil, je m'étais encore fait une natte qui ressemble plus trop. Enfin, c'est pas la natte qui ressemble plus à grand chose, ça reste. Il est 8h, presque 40 et nous sommes jeudi, voilà. Donc là, j'ai fait mon petit bowl cake, enfin petit, il est plutôt gros quand même. Et je vais me mettre l'épisode de Plus belle la vie, voilà la routine quoi. Bon, j'ai fini mon petit déj tout ça, là je remets les liens en fait de ma vidéo qui sortira aujourd'hui, enfin je retrouve en fait toutes mes commandes, comme ça je vais pouvoir filmer les parties où je porte les vêtements, comme hier j'ai fait la partie où je parle, et j'aimerais bien en fait les faire dans l'ordre parce que sinon vu tout ce que j'ai acheté, je sens que ça va être le gros bazar. Au moins là je vais pouvoir tout filmer dans l'ordre, donc ça va être un peu compliqué et long à filmer je pense, mais ça va le faire et j'espère faire tout ça avant d'aller chez le kiné. J'ai chez le kiné à 10h, comme ça au moins si je peux tout filmer avant ce serait parfait. Bon, il est 9h45, je viens seulement de finir de filmer mon try and haul, il me reste juste une paire de talons, mais là j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai kiné à 10h, donc voilà. Bon bah ça va être en mode no make-up hein, bien sûr, parce que là y a pas le temps, il est 47, oh là là, toujours à la bourre là Emma. Je vais pas prendre de veste hein, parce que franchement il fait bon, donc c'est parti, on go. Bon, ça y est, c'est terminé, il fait trop chaud et je sais plus ce que j'ai fait en fait de mes lunettes solaires de vue. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait, il me semble que je les avoir mis dans mon sac que j'ai à mon stage et je les ai pas vues. Donc je sais pas où elles sont, bref, voilà, j'ai fait des étirements et touché le kiné, j'ai un nouvel exo à faire. Un nouvel truc d'exo d'étirement quoi. J'ai mis mon tir de Thibaut en fait parce que je... Comment? Je l'avais mis pour le... à la vidéo haul, voilà, et du coup bah je l'ai laissé hein. Je me suis dit tant qu'à faire, mais je pense que pour aller en stage cet après-midi j'ai peut-être pas gardé un jean, enfin après c'est juste pour le trajet donc ça va, mais il fait vraiment chaud. Fiouf. Bon, j'ai rentré, oui, je m'étais fait un chignon chez le kiné parce que c'était plus simple. Du coup là il va falloir que je filme juste les chaussures portées et du coup ensuite que je monte ma vidéo, donc il va bientôt être 11h, enfin il est 11h moins 20, donc voilà. Faut absolument que je fasse ça. Non mais regardez-moi ça, du coup il y a des habits partout. Voilà les coulisses d'une vidéo. Voilà pourquoi c'est le bazar après une vidéo. Voilà. Mais en tout cas je suis contente parce que je vais pouvoir ranger tout ça dans mon armoire et tout. Ça va plus traîner dans des cartons. Je suis contente. Ouf, je viens de finir de monter ma vidéo. Enfin. Donc j'espère qu'il n'y a pas de loupé et tout. Elle fait 15 minutes alors que j'avais filmé genre plus de 22 minutes. Donc ça va, j'ai quand même bien raccourci. Bon c'est toujours long hein, mais en même temps vu tout ce qu'il y a dedans. Normal. Bon, il est 11h49, je suis en train de ranger du coup là les habits qu'il y avait là. Et en même temps du coup j'ai mis plein de trucs au sac. Je vais faire une machine, mais je vais la programmer pour dans l'après-midi quand... Aïe, oh, je viens de me faire trop mal au coude. Je vais la programmer pour quand ni mon copain seront là. Comme ça voilà, je pense que j'ai réussi à récupérer pas mal de trucs de couleurs, voilà. Et comme ça il reste quasiment que du blanc dans le truc de linge châle. Donc ça c'est cool, comme ça là je ferai je pense demain une machine de blanc et clair. Et là du coup je vais me préparer à manger pour ce soir, donc je vais me faire salade, je vais me prendre des tomates et du thon je pense. Et je suis en train de me rendre compte que je suis passée à la boîte aux lettres, donc ils m'ont bien dit ça y est, ils ont bien récupéré mon colis. Et en fait j'avais oublié de vous montrer, j'ai reçu un colis et j'ai carrément oublié de l'ouvrir aussi. Moi je vous ai posé. Donc ce que j'ai reçu c'est le velours de teint éclat fond de teint mat fluide SP20, ça c'est cool. PA++, je sais pas ce que c'est ça par contre. Bref, c'est de la marque Givenchy. Non mais ça sent encore la poubelle, je vous jure que je viens d'aller la mettre dehors. Et là je vais aller jeter le sac. Genre il y a une espèce d'asticot qui commençait à venir alors qu'on l'a changé il y a pas si longtemps que ça quoi. Enfin bref, on y marche, ok, on va l'acheter, on va en prendre une nouvelle de poubelle. Du coup bref, le fond de teint il se présente comme ça. Déjà je le trouve trop joli, il est écrit qu'il faut le secouer avant. Et j'espère que c'est ma teinte, j'ai pas pris la plus claire. Il y avait trois teintes je crois qu'on pouvait choisir sur Octoly. Et j'ai pris la teinte, bah pas la plus claire, pas la plus foncée. Celle entre les deux, donc là je suis pas du tout maquillée, donc on va tester sur ma face. On voit pas très bien en fait, il y a trop de soleil de ce côté là. Et en plus j'aime pas, j'applique avec le doigt, normalement j'applique avec un pinceau. Ouais du coup je me rends pas trop compte en caméra ce que ça donne. En tout cas ça a pas l'air trop foncé. Mais là la lumière est complètement pourrie pour essayer de vous montrer ça. Bon là j'ai appliqué complètement n'importe comment hein, mais enfin, en tout cas la teinte me choque pas, voilà. Bon je brille beaucoup parce que j'ai pas encore mis de poudre tout ça, je suis pas maquillée comme je l'ai dit, donc voilà, il fait très très chaud. Donc là je vais finir de me préparer à manger pour demain, je vais aller sortir la poubelle
Et mon copain va pas tarder, il va bientôt être midi. Il nous reste encore une salade de riz. Donc on va sûrement se refaire une viande ou un truc avec. Et puis voilà. Bon, je vous retrouve direction le stade. Vous entendrez pas grand chose, il y a des travaux. Et je suis en boulet, je vais oublier mon repas de ce soir. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Je voulais filmer, mais en fait, journée terminée. Voilà, je vous filme après parce que avec le bruit, bon pied. Bon, juste avant, je voulais dire que ma journée était terminée. C'était encore une journée très riche en apprentissage. Voilà. Là, je vais rentrer. Je crois que mon copain n'est pas là. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore rentré. Oui, donc il n'est pas encore rentré. Il avait une représentation de théâtre de son cousin. Du coup, bah, il y allait. Voilà. Et bah, moi, vu que je finissais trop tard, je n'ai pas pu y aller. Sinon, je serais allée avec lui. Hein. Mais, du coup, je finissais un petit peu trop tard. Je vais ranger un peu parce que là, c'est vraiment le bazar. En plus, du coup, j'avais fini une machine. Et du coup, elle est terminée. Donc je vais étendre tout ça, voilà. Et puis ensuite je pense que je vais pas... Il va falloir que je monte le vlog qui devrait être en ligne demain, que je réponde aux commentaires du coup parce que j'ai mis une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'adore quand ça sent la lessive. Ça m'a fait trop bizarre, genre il y avait plein de poissons au fond. Genre on dirait qu'ils étaient en train de dormir, mais je crois. Hein. Je crois qu'ils sont en train de dormir au fond du bassin, ça m'a fait trop peur. Mais bon, quand ils sont morts, ils sont en haut, donc c'est pas ça, ils bougent. Mais du coup, je vais leur donner à manger, puisque maintenant, on leur donne le soir. Je vais ouvrir quand même si j'ai pas trop besoin d'ouvrir les volets à cette heure-là, mais bon, il fait encore un peu jour. Oui, je voulais dire, avant, on leur donnait toujours le midi à manger, et en fait, mon copain oubliait souvent quand j'étais pas là. Donc du coup, maintenant, je leur donne le soir, au moins, je suis sûre que je suis là et que j'y pense, voilà. Et il y a eu de l'orage dans l'après-midi, enfin début de soirée on va dire, et moi j'aime trop l'orage donc j'étais un peu déçue que ce soit quand je sois à l'hôpital, mais bon, c'est pas grave, voilà. Mais du coup ça s'est tout couvert dehors et il faisait lourd, mais oh là là, enfin un temps orageux quoi, voilà. Donc c'est l'heure de venir manger aux petits poissons. On voit qu'ils sont tous endormis parce que d'habitude à peine j'ouvre le truc du haut et tout, ils sont déjà tous en haut à fond, et là ils sont en bas, ils ont pas tout compris. Voilà. Mais du coup, ouais, les trucs, ils sont en haut. La nourriture est en haut et eux, ils sont toujours en bas. Je crois qu'ils ont pas trop compris. C'était l'heure de manger, quoi. Les pauvres, ils étaient en train de dormir, ils ont compris leur vie. Ouais, du coup, j'avais rallumé la lumière pour qu'ils voient un peu. Mais bon, soit ils vont monter chercher la nourriture, j'en ai pas mis beaucoup, du coup. Ou bien ça tombera et puis ils la mangeront par terre, hein, c'est pas grave. Mon copain, vous voyez rien, a laissé traîner la salade de riz qui restait. Du coup, il y a plein de petits moucherons. Donc je pense que je vais l'acheter, je sais pas, parce que. Voilà quoi, moi j'ai pas très envie de manger du riz au moucheron. Mais c'est pas cool de laisser ça traîner, hein. Ça y est, j'ai étendu mon linge, ça rentre pile poil là-dessus. Je pense que je vais vous laisser parce que là, je vais monter le vlog pour demain, tout ça, puis après, je vais pas tarder à aller me coucher. Voilà, je sais pas à quelle heure mon copain va rentrer. Ah, je vous avais dit que j'avais oublié mon repas de ce midi, enfin pour ce soir, quand je suis allée en stage. Et en fait, du coup, mon copain me l'a ramené. Voilà, en plus, il a parlé avec l'infirmière avec qui j'étais et tout. Et du coup, il m'a dit, ah, tu veux lui parler et tout. Bref, c'était trop mignon. Voilà. Puis en plus, c'est de la re-raconter après aux gens. Mais bref, voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.